Salut les amis, comment ça va? C'est impeccable comme d'habitude. Et donc on se retrouve pour une vidéo sur Farming Simulator. Farming Simulator 15, voilà. Petite carrière suivie sur Bjornholm. L'épisode 1, enfin carrière suivie, oui, carrière suivie. Je vous expliquerai quelque chose en cours de vidéo. Tout de suite on va commencer. Donc en fait j'ai tourné une vidéo, mais comme un con j'ai pas regardé, j'ai pas vu que mon micro est coupé, donc j'ai parlé pendant 20 minutes dans le vide. C'est cool, voilà. Tout simplement voilà. Je redirai ce que j'ai dit dans cette vidéo, et puis moi je vous dis on commence, hein, voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, je vais pas vous faire un tour du matos parce que vous voyez bien, c'est bon. C'est bon, allez hop, c'est bon. Parce qu'on perd beaucoup de temps. Tac, on fait des boîtes. On est parti. Il en chie un peu, mais c'est pas grave. On va y arriver. 1, 2 km/h. Ah, ça avance. 3 km/h, 4 km/h, 5, c'est bon, ça avance, ça avance. Donc voilà. Donc j'espère que cette carrière suivie vous plaira. Parce que, moi je m'éclaterai en tout cas à faire cette série. Pardon, sur Bjornholm. Donc comme j'ai dit, quand Farming Simulator 15 est sorti, en fait, tout le monde a fait une carrière suivie sur Bjornholm, parce que c'était la sortie de VS15, parce que si, parce que ça. Bon, par contre, tu commences à me saouler parce que t'avances pas, là. Bon, allez, tu m'as saoulé. Ce qu'on va faire, on va le vendre. Voilà. On va vendre et va acheter. Ça coûte trop cher, ça. Attendez voir. Mode balle. Coûte que 58 000. J'ai ça aussi, oui. Ouais, on va acheter ça. Transport boule. On va prendre le case. Hop, on réinitialise les deux matos. On va aller le chercher. Parce que, en fait, qu'il en chie trop. Hein. C'est marqué 125 chevaux. Il a fait 140. Il y a pratiquement 20 chevaux de l'écart. Moi, ça m'a saoulé. Ils m'ont tout saoulé. Bon, j'arrête. J'aimerais avoir des copyrights, sinon. Donc là ça va aller beaucoup mieux je pense. Tac, en fait c'est juste un reskin de la machine d'origine. Alors attends voir. On déplie. Tac, on active, on baisse. Et on est parti. Impeccable. On s'est utilisé à l'intérieur. Hop. Hop. Mon micro est pas coupé. C'est bon, il est pas coupé. Donc voilà. Donc la première boîte prend plus de temps que les autres. C'est normal. Ça fait ça avec tous les runes. C'est le temps que la chambre se remplisse. Quand je dis la chambre, enfin, pour ceux qui connaissent pas, l'intérieur du room,
Voilà. Alors, ça commence à biber. 94. Hop. Alors, je crois que c'est haut pour vider, c'est ça. Impeccable. On est parti. Hop. Hop. Tac. Alors je pense qu'on va faire 2 boîtes ou 3 boîtes maximum, je pense. Pas en faire beaucoup plus. Tac. Hop. Un jeu au clavier parce que ma manette marche plus. J'avais une manette d'Xbox One pour mon anniversaire. Donc dans à peine un mois quoi. Et parce que ma manette elle en veut plus là. Je l'ai tellement jeté par terre en fait que. On lit cool. On ouvre la porte. Hoc. On ferme et on avance. Bon, j'ai oublié de fermer, c'est ça la blague? Voilà, c'est ça. Allez hop. Tac. Donc on va faire peut-être 3 boîtes, ouais, peut-être 3 boîtes au pire. 3 boîtes, c'est pas folichon. Tac. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire 3 boîtes. Je trouve on arrive même pas à faire 3 boîtes. Je dis que non, 66%. Non, on n'arrivera pas. Ça va s'arrêter à 91%, un truc comme ça. Oh, on n'y arrivera jamais. On est que 80% pourtant. Il reste une petite merdouille là-bas, je vais récupérer. Tac. Pop. Allez. Hop là. On lève, on désactive et puis on est parti. Tac. Donc tu, je vais le laisser là parce que j'ai encore. Tac. Hop là. Toi, je te laisse là. Ce qu'on va faire, on va prendre notre dots. Hop, on va dételer l'air rotative. On va atteler ça. J'espère que ça marche au moins. J'ai trouvé sur site officiel. Alors, elle est assez énorme, hein, non? Pour un petit dot. Ouais, elle est énorme. Alors, le dot, c'est un 310, un Fendt Farmer 310 LSA Turbomatic. Waouh! Ils font des noms. Ça va te casser, ça va te taper la tête contre les murs. Attendez, tac. Hop. On va se mettre à l'intérieur. T'es parti où, Maurice? Alors attends, on baisse. J'ai pas un truc à faire. C'est quoi ça, X? Ah! Ah, c'est bien fait. Après, il faut faire X pour les bloquer, je pense.
Oula, ça a foiré par contre là. Oula! Eh, qu'est-ce que tu me fais, Maurice là? Mais qu'est-ce que c'est cette merde là? Oh, ben ça a bugué, voilà. Ça a tout fait bugger. Voilà. Oh, ça m'énerve! Ces machins à la con là. Tac, toi tu te restes là, ferme ta gueule. Attendez, voilà. Merde, à l'envers. Ça passe pas, on fait comme ça. Putain! Et si je fais X? Ça fait tout bugger. Et on peut pas. On peut même pas bloquer le machin. Ça se bloque pas. Bizarre. Simple, ouais, serait peut-être mieux comme ça. Bref. Alors, on va le mettre comme ça, puis basta. On va l'y vendre pour les deux boîtes 4, de toute façon. On va reculer dedans. Hop là. Alors, elle, par contre, faut la pousser. Tac. Merde, ça a pas mal chier. Hop, excuse-moi si je parlais pas, je suis un peu concentré. Vous me croyez pas coupé, c'est bon, pas coupé. Je suis un peu concentré parce que ça me. Ça me tape sur les nerfs. Hop, on baisse. Non! Oh putain! Là par contre ça commence à me casser les couilles. Putain de merde! Saloperie, tu vas rentrer dedans. Putain, elle est partie rouler là-bas cette salope là. Putain, fais chier avec ces conneries là. Et
puis ceux qui disent ça, ils disent des gros mots, ben je les encule. Ouais, voilà. Vous êtes content? Ouais, des gros mots en vidéo, ben je les encule. Je suis pas content, vous dégager. Moi, je suis pas du genre à rester comme ça, là, puis à rien dire. Je me fais insulter, mais je dis rien. Non, non. Non, non. Ils sont pas contents. Si je dis des gros mots, parce que je suis vulgaire et tout, je m'en bats les couilles. Ils s'y cassent, hein. Je vais vous dire que. Heureusement que je fais encore ce que je veux, parce que sinon. Tac. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour y vendre, hein, voilà. Je pense que ça qu'on est tous d'accord pour y dégager. Tac. Je rattelais ma herse. Merde. Tac. Pick-up. Ouais, le baisser. Pas que le tracteur qui s'en aille. Tac. Donc oui, ben du coup, toi, faut que je te prenne et que je t'envoie des chômés. Tac. On va dire tester ce que ça donne. Bon, il y en a pour un petit peu longtemps, hein. C'est tout. Cool. Active. Vas-y, baisse. Merde! Attendez. C'est pas grave, je mettrai en herbe. Ben toi, hop, l'ouvrier. Tac, les câbles. Donc, moi, je vais sauter dans quoi? Dans 5, voilà. Je vais te mettre au semoir. Merde, Ellie. Prends-toi le mur. Tac. Alors le semoir, normalement. Il est là. Merde, peut-être pas trop là, parce que j'ai moi, j'ai pas trop collé. Et ben, il est plus là. Voilà. On va le remplir. Ça fait mal au porte-monnaie, mais bon. Une petite masse là-bas aussi. Wouah! Donc, on va reculer, remplir le semoir. Non, normalement, les sacs qui sont là. Voilà. Alors, on va commencer par faire du blé. Du blé. Ça passe remplir. Si voilà. Du colza. Donc moi, je vais acheter ça. Tac. Hop là, c'est bon, il est plein. Hop. Et merde, je me prends le toit. Quand c'est pas le mur, c'est le toit. Allez, lâche sous toi là, putain! Putain, mais touche même pas à toi que c'est. Non, mais. Attendez, juste ça. En herbe.
réparer mes conneries. Tac, on baisse. Tac, on relève. Il part vraiment un couille sur moi ça. Je baisse. Merde. Hello, parti où? Et on fait ça. Petit bout qui reste. Hop là. Et là, on remet. On peut faire beaucoup de choses, c'est vrai. Tac, 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 voilà. Tac, j'ai pas engagé d'ouvrier, je vais faire moi-même. Et hop, on est parti. Je vais me mettre comme ça, voilà. Je vais voir si. S'il cultive en même temps. Non, il cultive pas. Hein. Non, non, non. Ouais, j'ai bien fait de prendre un cultivateur alors. Je vais acheter une masse parce que là c'est juste impossible. Je vais acheter une masse parce que là c'est impossible pour de contrôler ça là. Ça part dans tous les sens. Tac, voilà. Alors une petite masse pour le monsieur. On va prendre une grosse. On va rien utiliser. Tac. Pas prendre le distributeur à engrais parce que ce serait un peu con. Hop là. Ça va mieux. Tac, on est à 23 minutes. On va finir ce champ parce que sinon ça va faire trop long. Tac, on baisse. On est parti. Tac. Regardez comme il part ce con. Il part en couille. Tac. Hop là. Donc là on a 24 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Hop. On arrête ça. Attendez, dans mon fent, c'est le 3. Toi, je vais attendre que tu fasses ta ligne. Ah, il s'allie. Ah, il fait un bruit franchement ce tracteur. Quand même, je crois qu'on peut. Il y a l'ouvrier donc c'est normal. Franchement, l'intérieur est hyper joli. Bien fait. Tac, alors. Normalement. Bon, bref. Oui, on peut ouvrir la fenêtre avant. Et là, le son. Eh ben, il est plus fort. Regardez.
Voilà, c'est bien fait, je peux. Voilà, c'est bien fait. Là, c'est pareil. On peut ouvrir la fenêtre arrière. Ben voilà, il n'y a pas de toit ouvrant. Voilà, j'ai pas mal. Donc voilà. Donc sur, on va se tester sur ça, nous. On peut mettre des garde-boue. Ah non, on peut enlever les garde-boue. Ouais. Ah non, on peut mettre une. Waouh! On peut mettre un bâtis de fourche. Ouais, bon. Donc nous on va se tester sur ça. Je vous dis portez-vous bien. Surtout voilà, portez-vous bien surtout. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.